qu'on est bon déjà. Le disjoncteur, il est peut-être au milieu alors. Donc là, on a déjà été ici, non? Ça pue déjà. Donc c'est au-dessus alors. Je vois pas. Mais il est au bout apparemment. Ah, il est là. Ok, je crois qu'il est descendu. Ensuite, laboratoire d'analyse. Initialiser le conduit de distribution. Initialisation. Comment ça? C'est où la sortie? Je crois que c'est en bas de l'échelle. Ouais. On va se regarder. On a déjà fait trois fois quand même le bail de le brûler là, Yana. Je sais pas au bout de combien de fois il peut supporter. En tout cas il fuit, c'est déjà ça. J'ai pas 50 millions de réserve donc je vais. Donc je vais garder un petit peu de la réserve de feu quand même. En fait je sais pas c'est quoi la musique là. J'ai plus les trucs. Par contre j'ai l'amorce. Oh, c'était pas mal ça quand même. Ouais, il faut les trucs. J'ai tout en fait. Ça va être de sauvegarde. Il reste encore un à déverrouiller du coup. Je pense que l'Android va se sortir, c'est évident. C'est une évidence. Du coup, il n'est pas descendu pendant tout ce bruit. Mais lui, je suis en train de sortir. De à côté, je ne sais même pas ce que faut que je donne un coup, ça va alerter tout le monde encore. Thank you.
Elle le fait pour moi du coup. Oui. Il est au-dessus. Ce qui branle. Je sais pas ce qu'il fout votre guignol là, avec les trucs. Si l'état de la station vous est désagréable, veuillez nous le faire savoir. Bouge plus. Pourquoi il bouge plus? Je sais pas ce qu'il fout. Je sais pas ce que je dois faire parce que du coup l'Android il est devant. Qu'est-ce qu'il branle moi lui? Il n'y a rien ici, on va quand même voir le bureau, on sait jamais. Où ça va passer? D'accord, bon bah c'est pas là déjà. Je crois qu'il faut passer par la ventile. Que c'est l'escalier là. Ah, peut-être bien, ouais. Ah, peut-être, oui. Bonjour, monsieur.
Bon, j'ai bloqué là dans l'accès parce que. Peut-on jamais. Après, il peut venir ici, je pense. Il y a des trous, il y a des trous. D'accord. Pas possible, pas possible. Si j'ouvre là, c'est un truc qui permet d'ouvrir, non? Ok, on s'est fait léser, pas par là. Putain, on est obligé de refaire le tour. Parce que là je sais pas si je repasse là, est-ce que ça va faire, le faire ou pas. Si je passe dans les conduits, est-ce que ça va m'amener là-bas? Je pense que je vais pas me retaper tout en fait. Certains ils l'entendent ça. Non, on doit justement aller tout droit donc. Je vais remonter. Que je suis là, hein. En fait il faudrait que je remonte à là, je vais descendre et je vais là, je vais remonter en fait, je vais simplement monter, je vais peut-être passer par la combi voir si ça mène quelque part, sinon il faudra que je fasse tout le tour, bon bah tant pis hein, on fera le tour, puis je vais venir là ici parce qu'il y a le plein bleu. En dessous.
Il est encore sous terre. Enfin, sur terre. Enfin, juste qu'il se réveillera dans les ventiles. Ça peut avancer parce que là. Pour se cacher, il nous embête bien ce jeune. C'est ça que j'avais vu moi. Je crois qu'en fait on est lésé, ça fait rien du tout cet endroit. C'est un putain de cul-de-sac. On doit faire le tour, hein, c'est tout. Pas où après, par là. Et que ça amuse encore sur le clavier, ouais. Ça va les distraire donc. Vous pouvez aller tranquille. Quoi, faire le tour tranquillement, et puis c'est tout. Pas trop de chaud. C'est qui serait là, hein, ouais. Tout ça, on va tout droit. On va tourner maintenant. Normalement, toutes les portes doivent m'ouvrir.
pas à cet endroit. Merde. C'est fermé. Je dis pas qu'il faut vraiment que je rétablisse le courant, mais comment c'est possible? Je comprends pas. Ah bah, à l'étage aussi, il y avait un truc. On n'est pas, il est là. Juste là. Fuck. À moins que c'est là. Parce que regardez, il y a un passage là, j'ai pas vu. Ah, c'est peut-être là en fait. C'est fort possible en fait. Le passage, j'ai pas été voir là. Ça paraît être là. Hein. On va aller se garder comme ça. C'est la fin de tout à l'heure, ça. Bizarre la fin de tout à l'heure là. Des androïdes qui ont tout routé. Attendre que ce bien se fasse. Mais je crois que la femme elle s'est fait tuer. Je suis pas sûr mais je crois. Je la voyais plus. Vous savez quoi, on va. De toute façon, on est bientôt arrivé là. C'est bon, ça vient là. Non, mais ça fait tuer en effet. Je voulais se garder, après je me suis dit, je l'ai vu à gauche, je le sentais à gauche de moi donc. Ah ouais, regardez, il a bouffé la tête. Donc on va dire que ça passe. Il est très aveugle hein, ce majeur, il est juste bon à l'ouïe quoi. Il est très aveugle en tout cas. J'étais à côté de lui, il m'a même pas repéré. À côté je préfère. Il y a un cadavre là. Putain qu'il y a un cadavre. C'est un putain d'androïde. Je m'approche pas de lui. Ah c'est ça, ça se place mal donc c'est bon, c'est bien par là.
C'est longtemps qu'on s'est pas fait tuer par l'alien. Ça fait longtemps. Oh. Carburant de lance-lameau. Du coup, c'est bien pas par là. C'est bien pas par là. Fuck. Mais il y a bien un truc ici. Pourquoi j'aurais été ici, ici? Fuck, y'a vraiment rien. Déçu. Je crois qu'on est obligé d'aller pas. Ah, mais c'est par là du coup. Ah, bah c'est bon, c'est par là. On va juste regarder. C'est par là, 100% c'est par là. Yes, c'est par là. Je peux venir ici. Une porte là. Qu'est-ce que c'est comme porte là? Il y a un fond d'air ici. Ah, mais attendez. En fait, il y a un accès direct là. Ah, mais vu que t'es bloqué, on peut pas y aller. Ok, direction le projet KG348. Vous cachez jamais qu'une solution temporaire. Bah oui, je sais bien. Je sais, on va passer en replay comment fabriquer des objets, je sais pas quoi. Vous replay? Wait, j'y suis. Il est toujours derrière vous? Je crois que oui. J'en suis. J'ai une idée. Allez au labo. Le labo. Il y a plein de trappes là. Des trappes, il y a des portes. Ça pue un peu tout ça. Tout quoi ça bouge. Se garde ici. J'ai même pas vu. Allez, allez, allez. Ok. Alors là, il y a un ascenseur qui va accéder au laboratoire. Non, c'est beau ce truc là. Oh, attendez. Non, c'est là-bas, hein. Je suis pas très chaud d'aller par là. Je suis plus chaud d'aller tout droit. Mais si elle n'a pas déjà été ici? Non. Mais si? Non. Non, on n'a pas été ici. Ça me vient pour le coup. Ouais, tout droit, c'est par là où il faut aller. Carte d'accès, il n'y a rien, et là c'est chalumeau ça, non? Ouais, c'est plasma.
suis Waits. On peut séparer le labo de la station principale. Remettez-le en ligne et les systèmes pourront se reconnecter. Du sang. Il y a un cadavre en dessous. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Mon endroit. On va faire des trucs parce que j'ai trop de bins là en fait. Ah ouais, je suis full partout là, non? Ah, mais du coup, je peux refaire ma mine machin, non? Bah oui, c'est pratique ça. On va refaire 2-3 trucs en fait. Ça, et il me faut des seringues, je pense. Ça fait beaucoup de ces trucs là. Un petit cocktail peut-être. Ça nous en manquerait un, du coup. Ouais, on avait tout aussi. Après ça, je dis pas. Ouais. Ah, du coup, j'ai un taser de nouveau. Ça, c'est bien par contre. Ouais, j'ai chopé. En fait, les tasers, c'est une espèce de pile qu'on ramasse et du coup, ça permet de faire taser quoi. C'est plutôt pratique. Ok. C'est vrai que la lumière, on ne l'utilise jamais en fait. Ouais, c'est tellement bien éclairé, je trouve. Personne. Du coup, ça va, c'est plutôt pratique. Par contre, jeu de sauvegarde, ça serait plutôt bien. De l'alien là-bas. Je vais voir ce qu'il y a dans le truc là, je l'ai pas été voir tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, le pistolet à seringue. Je viens de sauvegarde aussi. Je sais plus. Non, elle est là-bas la sauvegarde. Normalement, on va peut-être aller à la sauvegarde. On va prendre lance-flamme encore. J'aimerais aller sauvegarder, les amis. Une petite save, ça fait toujours du bien. Avec tout ce que j'ai crafté là. Descendu là. Il va ici. Et là, il est bloqué parce que c'est fermé.
qu'on arrive de nouveau où est-ce qu'il va aller tout à l'heure. Copain. Un droïde qui se fait arracher par l'alien, ça je pense. Donc il s'est battu contre l'alien, ça c'est bon à savoir. Mais bon, c'est marrant, il s'en fout. Par contre, il leur parle. L'alien parle. Enfin, l'android capte l'alien quand même parce qu'il lui parle. Je suis sûr que j'ai tout pris, il va me choper le bras et tout. Je connais le truc. Il se garde en plus. Montre-nous l'alien. D'accord. Ok. Je fais des trucs là. Évacue. Loin de lui parce qu'il va me choper le bras, je le sens. Ah bah, quand il y a pas, on n'a pas recherché, c'est qu'il est encore vivant. Donc on les yeux lui en plus. C'est normal, il y a un truc là. On ne sait point ce que c'est. En tout cas, il y a point d'ouverture ici. Je pense qu'il y a une ouverture, mais. Apparemment non. Ah peut-être là. Ah si, là il y a une ouverture. Sauvegarde, sauvegarde, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Ça c'est bien ça, sauvegarde ici là. Donc on pourrait se faire choper par l'alien pendant la sauvegarde, je suppose. Parce que vu que l'android m'avait tapé une fois alors que je faisais un truc. Je me gêne. Le bin c'est là hein, je crois. Ouais. Ça y est, le courant est revenu. Maintenant, reconnectez les systèmes du labo à Sébastopol depuis la console qui se trouve dans le labo central. De matière dangereuse détectée. Mmh. J'attends sauvegarde. Et du coup, je sais pas trop. Ouais, peut-être qu'il faut aller. Ah, si c'est là, faut faire le tour et il y a un endroit là. Faut que je refasse le tour. C'est fait exprès tout ça. Là. Et tu sens, je vois ce que c'est après le sang. Par curiosité, si on se fait tuer, ben on se fait tuer, mais c'est juste pour voir ce que ça fait. Si on va se regarder. Ouais, salope. Et non, le sang, il a pu juste tuer quelqu'un ou autre truc. Donnez-moi là, ces petits fous là.
Vas-y, hein. Fais-toi plaisir, observe. Vas-y, repars, repars. On va se casser de là. C'est ouvert ici maintenant. Ah bah c'est là. Ok. En fait c'est juste à côté. Le problème c'est qu'elle est pour tout ouverte partout. Il est sur nous. Juste là. Pas me cacher parce qu'il est là. Putain de salaud. Enfin, je peux même pas faire le truc, pardon. Me cacher si je peux, mais. Je sais pas si je me gourre, peut-être que t'as alerté, je sais pas, je crois que ça fait un son. Lancement de la procédure de sécurité. Lancement de la procédure de sécurité. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Attends que ça se calme un peu. Sortir et je crois que la sonde est ouverte au bout avant qu'on fasse le tour. Putain, je crois qu'on fait le tour. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Se vient d'un coup. Veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Je vais le voir passer.
c'est que je passe là. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Juste là, derrière le mur. Je vais me voir passer. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Je sais que la passer. Derrière le mur. Tirer qui reprend dans les coins jusque là. Bâtard, il nous a, en fait, il nous a décroché du truc. Donc en fait, on est avec l'alien là. C'est ça en fait. Le fils de pute qui nous a lâché dans l'espace. Ah oui, on dérive. On est avec l'alien en fait. Veuillez rejoindre le SAS le plus proche et attendre la notification d'une réponse d'urgence. Le plus proche et attendre la notification.
la combinaison. Je comprends rien. Hein. L'alien est parti dans... Il a été envoyé dans la sac en fait. Normalement il est plus censé être avec nous, je pense en tout cas, parce que on était bien dans l'espace nous. En fait il a cédé le truc pour l'attirer. Et en gros, on était là-bas quoi. Tel salaud. Du coup, ça voudrait dire que l'alien n'est plus avec nous alors. Je pense, hein, parce qu'on l'a. Donc logiquement, on peut faire ce qu'on veut maintenant, il n'est plus avec nous. Hey, est-ce que quelqu'un m'entend? Ripley, c'est vous? Ouais, wait. C'est moi, espèce d'enfoiré! Vous m'avez enfermé! Vous avez éjecté le labo dans l'espace! Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix! Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station, quel que soit le prix à payer. Ouais. M'utiliser comme appât. Me laisser crever. Mais ça a marché, Ripley, merde! Ça a marché! Je l'ai eu, cette saleté! Je l'ai largué dans la géante gazeuse! La station est en sécurité. Il y a ça. Il y a aussi le fait que vous êtes une ordure sans scrupules. Nous, je le tue. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. Terminé. Ah, soudeur ionique. Ah, il faudra un soudeur ionique maintenant. Oui, donc. Je pensais que j'avais tout. Ok, mais du coup, normalement, il est plus là. Logiquement, je peux. J'entends plus les ventilations ni rien, donc. Je pense un peu courir en fait. Avertissement. Apollo a émis l'alerte du confinement du danger. Il avait un fusil à pompe, lui. Omega, merci. Je prends le pompe direct. La petite passe là, je sais pas quoi. Je sais pas, ça va où, mais c'est un passe. Je trouve qu'il était là depuis le début, mais non, je l'ai jamais vu ce corps là. Non, non, c'est nouveau ça. Je pense à la tête du crevard après le mec. Il se garde encore? Non, il se garde à peu près du truc. Enfin, on peut courir. Il est plus là. On peut les tuer. On peut enfin les tuer. On peut enfin les tuer. C'est du direct. On peut les tuer. Nice. Ben, je vais en faire un plaisir. Je vais les cartonner tous, ces enfoirés. Putain, ça lui fait rien. Mais putain, le pompe, ça lui fait mal. Hein. Nice. La sauvegarde. Nice, nice, nice. Bon, du coup, faut que j'aille voir. À droite. Voilà, c'est celui-là. En même temps, normal qu'on pouvait tuer comme un peu les androïdes. Courir uniquement lorsque vous pouvez pas quoi. Ripley, c'est Ricardo. Tu t'en es tiré? Pas grâce à Waits. C'est un salaud sans pitié. Ça date pas d'hier. C'est une grosse tête de moule. S'il avait pris la peine de m'écouter, on n'en serait peut-être pas là. Ce qui est fait est fait. Désolé d'avoir merdé avec le verrouillage. Laisse tomber. Tu m'as fait sortir au final. On se voit au bureau.
Heureusement qu'elle est pas conne, hein, putain. Ce serait déjà mort depuis longtemps, sinon. Putain, c'est par là, du coup. C'est là où j'en reviens, ça. Du coup, c'est un nouveau truc ici, c'est un nouveau chemin. Hein. On s'en fout, il n'y a plus d'aliens. On peut courir maintenant. Des mecs. Fuck. Ok, déjà c'est pas pour là. J'ai peur que je fais des aliens ou quoi. Mais je crois qu'il y a des petits aliens, hein, il me semble, mais je suis pas sûr. Après, ça me paraît logique, hein, c'est quand même alien. Donc... Par contre, c'est où la sortie? Garanti, mais voilà quoi. Retournons au bureau Marshall. Mais c'est là-bas. Mais c'est fermé. Comment on passe? Oui, c'est où l'ouverture? Mais c'est par là, hein, je pense. Il y a une voiture. Ouais, je pense à part là, c'est tout. C'était votre idée, pas la mienne. Vous avez entendu ça? Restez sur vos gardes, celui-là ne me dit rien. Tentez pas trop le diable. L'alerte du confinement du danger est arrêtée. Oméga. Et ouais. Ça va faire quoi? On va établir le courant du coup. Ce courant. Voilà, il fallait bien aller près de la grille. Tu laisses nous tirer dessus. Porte fermée. Pas trop c'est où par contre. Emergency. S'il vous plaît, donnez-moi la sortie. Je sais pas si je reviens par là, peut-être qu'il faut que j'aille par là en fait. Parce que normalement c'est à côté. Table à courant. Non, je pense pas que c'est par là. Je pense que c'est plutôt par là et il y a un chemin, quelque chose. Peut-être un truc sur le côté, je sais pas trop. De toute façon, là c'est fermé aussi. À moins que c'est vraiment par là. Hein. C'est bizarre quand même. Ouais. Je crois que c'est juste par là en fait. Ah, quoique. Ça fait ce truc là. On va le suivre. Peut-être un truc qui régénère le courant, peut-être. Ça sert à quoi ce truc là? Ah, il ouvre la porte. Apollo a élevé l'alerte du confinement du danger au niveau Oméga. Merci. Oh bien. C'est vraiment par là. On a plus d'aliens, donc on a plus un accent. Améliorer les mines du coup.
Ok, ça c'est bon, déjà on est bien là. On arrive petit à petit à l'endroit. J'aime pas jouer les rabat-joie, mais il y a un problème avec les androïdes. Il y a un problème avec ces putains d'androïdes depuis que je suis arrivée. Non, c'est autre chose. Ils ont abandonné leur poste. Je viens d'en voir dans une zone publique. C'est pas normal. Super. Fais gaffe à toi. Donc ils ont abandonné leur poste. Bien. Donc je sens qu'on va tomber dessus, sauf qu'on va les limer maintenant. Par contre, je n'ai pas beaucoup de balles de poum, quoi. Donc je vais pas en limer 50 000. J'ai un coup de taser au pire, des corps, mais ouais, des pompes, on n'a pas beaucoup. Hein. Du coup, ça c'est fusil ou fusil à pompe? Ah, c'est des fusils à pompe, les balles que j'ai eu du coup. Ah, c'est là, j'ai pas vu. J'avais point à vue. Du coup, il y a toujours les androïdes de merde. La mort, c'est bien ça. Je vais voir ce que je peux faire d'autre. Un petit cocktail des femmes. Ouais, je suis full partout. Je suis full partout. Je peux. Ouais, je devais faire un truc avec ça. Il y a pas un truc que je voulais faire moi justement avec ça. C'était pas ça plutôt. Non, je vois pas. Non, parce qu'il manquait juste ça. Dans la lave-bon, je l'ai jamais fait. Ouais, on va encore en faire un. Je suis pas trop. J'ai jamais fait ce truc là. Mais... jamais. Sauvegarde. On est bien équipé en vrai. Hein. On est bien bien équipé. Il y a un truc à choper ici. Il y a un truc là, mais voilà. C'est bien gentil, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Ah, c'est pour aller là, du coup. C'est Ripley. C'est quoi l'histoire avec les androïdes? Aucune idée. Et le changement de statut de l'alerte? Bordel, j'en sais rien. J'essaie de contacter Samuels. Peut-être que lui, il sait à quoi est en train de jouer Apollo. On va se confronter aux androïdes, super. Merci les androïdes. Hein. Enfin. Ah, il y a un truc là. Ça, je vais monter. Ah, bâtard. La porte s'est fermée au moment où je jette la grenade, quoi. C'est une blague, j'ai la haine. Putain, la blague, sérieux. Wait, c'est Ripley. C'est quoi l'histoire avec les androïdes? Aucune idée. Le changement de statut de la lune. Y'a un mec qui était blindé en plus, il était en blindé. Oublié tout. En vrai, la bombe là, c'est trop mal ce truc là.
Ça les détruit, donc on va les tuer. On va les tuer comme ça, puis c'est tout. Putain, j'ai oublié de tout faire. C'est pour ma propre grenade, quoi. C'est ouf, en vrai. Ah, c'est des alliés civils. Ah merde, je savais pas. Ah donc c'est les androïdes qui sont en train d'attaquer en fait. D'accord, bon à savoir. Vous ne savez pas, du coup c'est ma faute là pour le coup. En fait ça se trouve tout à l'heure je suis mort. À moins que tout à l'heure j'ai attaqué. Non, je crois pas, j'étais plus juste le truc dans le changement de statut de l'alerte. Mortel, j'en sais rien, j'essaie de contacter Samuel. Okay. Peut-être que lui, il sait à quoi et est en train de jouer Apollo. Ok, donc c'est bien les androïdes, donc c'est des alliés en fait. Je crois que c'est des ennemis parce qu'ils me tiraient tout à l'heure. Ça, je comprenais pas. En fait, c'est des alliés, vu que c'est l'androïde, je crois quoi. Bon, ok. Bon, pour moi, c'est des alliés. Bon, alors c'est des androïdes, le pompe, hein, direct. Hein. C'était pas un allié lui qui est dessus. Je comprends pas. Ils m'ont dit tout à l'heure, oui, vous avez tué un allié, mais en fait le mec il m'attaque alors enfin, je sais quoi. Putain, deux balles de poule, ça aurait pu tuer un androïde quoi. Donc, c'est sur lui. En fait, c'est lui qui voulait me tuer. C'est quoi, t'as une balle à la tête, il meurt. Il y avait de la batterie de taser. Hein. Il y avait beaucoup en tout cas. Il y avait 51, je crois. Ouais, donc l'autre il a voulu me tuer, mais pas les civils. C'est un peu what the fuck. Hein. Oh, fuck. Le gars il se retrouve avec une fusée d'assaut ou une fusée à pompe, je sais pas trop, en blindé et l'autre il me tue quoi. Ça m'a pris vraiment. Et bien deux des méchants. C'est bon en fait, je vous ai libéré, hein. J'ai tué les deux androïdes. Je peux pas tuer les civils parce que sinon ils vont me dire oui, vous avez tué les civils. En fait, c'est ceux qui ont pas d'armes, je peux les tuer, mais ceux qui ont des armes, je peux les tuer. Enfin, c'est pas logique dans un sens, mais quand même. C'est où la trappe?
sûrement par là, mais je sais pas comment on passe. C'est bon, gars, sauvé. Arrêtez de mettre la musique, j'ai tué tout le monde. C'est par là, mais je comprends pas. Vers le point inférieur. Bien par là, mais pas par là. Ah, pas clam clam. C'était ailleurs, hein. Ouais, toujours cette musique là, je comprends pas. Peut-être que je voulais tuer lui, peut-être. Peut-être parce que j'ai sauvé et tout ça, et peut-être que je devais, dans la cinématique, peut-être que je devais pas. Peut-être que je devais les laisser se faire tuer. J'ai peur que si je l'attaque. Ah, il y a un truc là. À gauche là. J'ai pas vu tout à l'heure ça. Ah, peut-être là. Ah, bah oui, c'est là. Il fallait dîner, hein, disons que ça sauve ce truc. Moi je prends, hein, tant que c'est du pompe. Bon, une balle de pompe dans la tête, ça le nique. Si je vise bien, ça le nique. Rien. Donc ça s'ouvre ici. Oui, ça s'ouvre. Notre centre commercial répond à tous les besoins des visiteurs de la station, mais aussi aux résidents de Sébastopol. Non loin, les officiers porte-étendard de la loi opèrent depuis le bureau du marshal. Ils assurent votre sécurité 24 heures sur 24. Enfin, les suites Josiah Sieg, nommées ainsi en l'honneur du fondateur de Sigson Corporation, abritent les travailleurs et leurs familles qui habitent sur Sébastopol et fournissent des suites de qualité aux voyageurs d'affaires. Les grilles là, faut que je m'en occupe parce que on va rester accroupi parce que attendez-vous. Grâce à Sigson, quelque chose ne va pas. Vous avez une arme. Wait, il y a des stores de sécurité qui me barrent la route. Vous pouvez les ouvrir. Wait. Arrête, salon de meurtrier! Laissez-les tranquilles! Arrêtez! Vous ne devriez pas être ici. Vous rentrez d'ici. Bande de salopards! Ouais, tu crèves, enculé. Wait. Symétrique. Wait. Tout symétrique. Ah, il méritait que ça, lui, dans tous les cas. En tout cas, lui, je sais pas d'où il sort, mais. C'est des civils, ça. Ouais, il faut que je fasse tout le tour.
fou en fait. Oh bâtard. Bon, ça tue l'autre aussi, mais. Oh, t'es nouveau, là. Charge le taser. Voilà, je peux faire ça. Ah, donc c'est ça, en fait, j'ai 4 charges de taser, en fait. C'est, 4, c'est des charges de taser, ces trucs-là. Ok. Passer par là tout compte fait, c'est très ouvert maintenant. Parce que bon, il venait par là lui, il y avait rien normalement par là. Putain. Comment il est venu l'autre? À moins qu'il respawn, c'est pas possible. Il respawn pas normalement dans le jeu. Je comprends pas là, faut faire quoi? Faut que je revienne depuis le début ou comment ça se passe? Trouver un chemin alternatif. Mais t'as des chemins en fait là. Pas en fouille en fait. Ça, j'en fais, je liquide ça. Ouais, c'est par là, mais. Étonnamment, c'est pas par là. Ok, bon, tant pis. Ah, il y a un chemin là, peut-être. Que je revienne depuis le début, je sais pas. C'est fort possible. À moins qu'un. Ah, mais il y a un chemin, je crois, là. Justement, je crois qu'il y a un chemin par là. Si elle parle, c'est qu'on est sur le bon chemin. Mais elle parle pas, donc on est peut-être pas sur le bon chemin. On va essayer de toute façon. Qui ne tente rien n'a rien. Les androïdes, ils sont partout maintenant. Ils sont plus dans leur truc. On peut en croiser partout. Une petite sauvegarde en plus. Il me semble que l'alien, dans les aliens, ah, il survit dans l'espace, je crois. Sinon on va voir au bout là.
qu'il me semble qu'il n'y avait pas une porte au bout ou un truc. Peut-être pas en fait. Peut-être pas en fait. Ouais, parce que le problème c'est que je reviens là. Ah mais attendez, il y a un gros truc là. Je n'ai pas été. C'est quoi le gros chemin qu'il y a là? Rien prendre. On va tourner là, on va voir. Là c'est fermé. Hein. Ah mais c'est peut-être fermé aussi. Ah non, je sais pas. Parce que là c'est fermé de base. Apparemment. On a Samuel mais c'est un synthétique, mais je sais pas c'est qui Samuel, moi je comprends pas. Je l'ai pas vu Samuel. Je crois que c'est l'autre qui guérissait justement, c'est un soigneur. Ok, donc là on se retrouve ici, donc là on essaie de descendre. Donc là c'est par là, ça c'est sûr déjà. Il y a un chemin peut-être là. Ok, il y a un chemin là. Ici on avait déjà été, il me semble. Oui, on avait déjà été. Mais du coup il y a un gros chemin. En fait, il faut repasser de l'autre côté, mais pour aller de l'autre côté, il faut passer par là. Parce que moi, j'ai voulu aller au-dessus, là, mais ça va marcher, c'était fermé. Est-ce que c'est ouvert, maintenant? Ouais, c'était pas ici, hein, c'était à côté encore. Ah, mais tiens, il y a un chemin ici. Ah, bah, je savais pas qu'il y avait un chemin ici. Du coup, faut faire gaffe, faut attendre que ça s'ouvre et tout. Elle se garde ici, tiens. Ok, déjà on est bien là. On est dans le bon chemin, je pense. Les androïdes, en effet, ils sont un peu fous. Hein. Ils sont foufous. On a plus que 2 balles de pompe. Hein. Problématique. Après, j'ai encore le long. C'est un gentil, non? T'es gentil, toi. Ouais, t'as l'air de gentil. Tu m'as l'air d'être gentil. Après ça va, on en a récupéré une. Je pourrais tuer 3 comme ça. Qu'est-ce que fou là, mais... Putain, bon, je prends, mais... Ok, donc là déjà il y a quelqu'un, mais on peut rien faire. Super ça, donc ça, je suis monté pour rien. Bon, déjà au moins il y avait une porte ici. Hein. Après il y a quand même un accès, on dirait. Hein. Mais il est fermé quoi. Ouais. Peut-être là. Non, peut-être.
Peut-être que là ça s'est ouvert du coup. Non, toujours pas. Je comprends pas trop. Parce que techniquement si on va là. Là il y a un chemin, hein, regardez. Il y a un bon gros chemin des familles là. Après est-ce que c'est pas en dessous par hasard? Pour moi ça serait là. Hein. Ah, on a trop partagé. Pile de lampe torche. Ok, il n'y a rien de spécial. J'aurais pensé. Même s'il y a rien. C'est un vrai labyrinthe cet endroit. On part là, du coup. Rien à faire de plus ici. Hein. On va descendre. Il y a beaucoup de portes comme ça là. J'aime pas trop les portes comme ça. C'est un peu risqué. Un peu risqué. Il y a tout le monde qui est mort ici. Ouais, il a bavé partout. Ils ont quand même du sang en fait, hein, les androïdes. Quand ils pensent, par contre, c'est par là peut-être. C'est quoi cet endroit? Ah oui. Ah, bah attendez. Ah, mais attendez, c'est là d'où je viens, ça, non? Au début, non? Ouais, c'est là, hein. Et du coup le chemin alternatif il doit être ailleurs. Ok, déjà au moins c'est fermé, on sait que c'est fermé déjà ici. C'était bon à savoir. Mais peut-être que c'est ouvert là. Non. Non, ça peut ouvert. Bon, pas trop le choix d'aller par là apparemment. On n'a pas le choix d'aller par là, du coup, au-dessus du chemin. Ok. Ça, on est obligé de faire. Après, est-ce qu'on doit aller là? Ouais, là, du coup, ça remonte en haut. Donc là, on est obligé. On est obligé de passer par là. Du coup, parce qu'il n'y a rien en haut. Ensuite, en bas, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On va procéder par étapes, parce que ça ne va pas le faire. Ici. Ici. D'accord. Et là, du coup, on se retrouve en bas. Ok, donc là on a une porte qui est verrouillée. Voilà. On a ici on a rien, on a rien ici non plus. On a bon ce clan déjà été voir. Ok, donc on a rien. D'accord. Donc nous on est arrivé comme ça. Donc logiquement, non, on vient de par là, je crois. Ouais, c'est ça. On vient de par là. Donc dans la logique des choses, on peut monter ou on peut aller là. Non, pas aller là. Non, on est obligé de monter. On est obligé de monter. Non, on est obligé de monter. On monte. Tac. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? Alors, ici, vers le hall. Donc, vers le hall, je ne sais pas comment on y accède parce qu'il n'y a pas de porte. Voilà, il n'y a pas de porte, simplement. Donc, il n'y a pas d'accès. Donc, il n'y a rien ici. Ça, c'est la porte d'accès qu'on en vient. J'ai fermé. Là on est au tout début. Peut-être faire le tour hein, simplement, peut-être revenir sur nos pas hein, parce que je vois que ça en fait. Hein. Je vois que ça. Non c'est bon, du coup on va revenir sur nos pas. Hein. C'est trop chaud. Hein. J'ai tout fouillé là, c'est pas possible, il n'y a pas une porte qui est ouverte. Donc forcément c'est par là. Donc on va revenir en arrière. Comme on a fait tout à l'heure. Mettre notre chemin et puis voilà. Première fois qu'on galère autant dans le jeu à chercher un chemin. On va sauvegarder histoire de qu'on soit là. Voilà. Simplement. Ensuite, on rebrouille chemin. Donc on repart par là. Donc, cette porte. D'amorce, okay. Ok, on est ici, on se retrouve ici, d'accord.
Donc là, de ce côté-là, on avait été. Je sais plus d'où on est, je crois qu'on est là. Non, on n'a pas de là, on a de l'autre côté seulement. Ouvert ici, ok. Là on vient là, d'accord. Ok. Puis c'est fermé. Ok, là on repasse dans le conduit du coup. Là, c'est pour le petit aspirateur où il est passé au début. Voilà. Et là, on revient là. Voilà, d'accord. Déjà, c'est une bonne chose. On revient là. Ensuite, là, c'est par là où on est arrivé. Ça, je me rappelle avec l'ascenseur, tout ça. La petite sauvegarde à air. Ok. Donc là normalement on peut pas partir dans le sens c'est pas par là, je pense pas en tout cas. Ça m'étonnerait vu que bah, sinon ça ferait partir à un autre endroit, donc je ne pense pas. Ok, on sait jamais. Non, je pense pas. Non, parce qu'on était pas revenu au bureau encore. Donc non, on peut pas. Ok, donc là on retourne par là voir ce qui se passe. Parce qu'au bout il y avait quoi comme problème? Il y avait une porte fermée ici. Est-ce que peut-être maintenant on peut là, l'ouvrir peut-être? Déjà c'est ouvert ici maintenant. D'ailleurs c'est étonnant que c'est ouvert. Ah putain c'est ouvert du coup. Merde, du coup c'est la porte fermée. On est bien entré mais... Elle ouvre pas. Ok d'accord, donc on revient, sur le port. C'est pire que venir sur le port là. C'est pire que ça. À moins qu'il faut un petit aspirateur qui ouvre la porte. Ah oui, il a le petit machin là. Parce que c'est vrai que d'un côté. C'est un peu chelou quand même. Il y a un truc, hein. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. Hein. C'est évident. Il y a une porte fermée. La seule porte fermée qu'il y a là, c'est là. Et comment on entre? Eh ben, faut rétablir le courant. Je crois que c'est ça. Elle est où la porte d'ailleurs? C'est ça la porte? Ah ouais. Ah, il y a une porte, donc c'est là la porte pour accéder. C'est là, c'est sûr, c'est par là. Il faut rétablir le courant, donc alors c'est où le courant? Ah, ici. Il y a un courant quelque part, là. Il y a du courant quelque part, alors. Je sais pas exactement où, mais il y aura du courant quelque part. C'est bizarre, mais... Pas du courant ici. Parce qu'il n'y a pas une zone qu'on n'a pas fait. Pourquoi? Okay. Bon, bon, on va revenir sur nos pas. C'est un peu chiant parce qu'on revient, on revient, on revient. Un peu casse-couille ça. Pour le coup, c'est pas embêtant. C'est une porte là-bas. Donc là, il y a la sauvegarde, on se retape. Ok, on va par là. Où la porte déjà? Donc là. Et là du coup il y a quoi de ce côté là? Soit il y a un truc ici.
Mais si, ça s'est ouvert ici. Ah bah voilà, c'est là que ça c'est. Du coup, faut passer le feu. Bah, du coup, c'est bon. Et ça s'est ouvert ici aussi. Du coup, ça fait quoi d'aller là? Une question. On manque. Ça mène quelque part. Ah, ça mène à où ça? C'est bien gentil, mais les gars, je fais quoi moi avec ça? Avec votre chemin, c'est fermé. Il manque un sou, mais c'est fermé. Il y a un mec là. Qui a un cadavre, genre récupère un truc dessus, je sais pas. On passe d'accès. Peut-être que je pourrais par là, peut-être. Ce problème, c'est que j'ai pas vu un endroit où il y a du courant en fait. Pourquoi on était par là? Bonne question. Non, je peux même pas sauter en fait. Pourquoi j'étais par là? Je comprends pas. J'aime pas trop ces portes là parce qu'on sait pas si elles sont ouvertes ou fermées en fait, c'est très très dur à se repérer. Du coup je sais même pas où c'est en fait. Je sais même pas où on va, je comprends. Je suis perdu. Ah, attendez, il y a un truc. Ouais, regardez, il y a un truc à faire ici. Hein. Forcément il y a un truc à faire, ils disent qu'il y a un truc à faire. Non, j'ai pas accès au truc. Ah non, pas là, attendez. Il est là, non? Ah non. Il y aura à quel moment on trouvera ceci, mais quelqu'un doit conserver une trace de tout ça et je sais pas. Je suis arrivé ici il y a quelques mois en vue d'écrire sur l'effondrement d'un rêve, une génération désenchantée. Je voyais les gens ici comme de simples figurants pour mon article, histoire d'apporter une dimension émouvante. Et puis, quand les disparitions ont commencé, comme j'étais ravie, c'était un scoop. Mais maintenant, les gens ont peur. À cause d'une erreur de communication, on se retrouve tout seul. Je suis coincée ici, comme tous les autres. Encore un détail sans importance. Encore une victime. Le problème c'est que j'ai pas vu de salle de générateur depuis le début en fait. Parce que là, local technique, c'est là où on a eu la première truc. À moins qu'il faut qu'on parte avec l'ascenseur. Peut-être, hein. Ah, parce que je vois que ça en fait. Honnêtement, je vois que ça. Hein. On va partir avec l'ascenseur, on va voir ce que ça donne de toute façon. Parce qu'ils vont dire oui, il faut aller, il faut revenir, je sais pas où. Je sais pas. Peut-être. C'est des fois que on avait déjà eu le coup que c'était justement pas là. Et... on va revenir à l'ascenseur, parce que c'est. Parce que honnêtement j'ai fait tous les endroits, je vois pas comment ça peut être en fait. Je vois pas comment on peut passer. Non. Clairement pas. En vrai, pour un petit aspirateur, il faut appuyer dessus, je pense pas. Hein. Quoi que. Il faut qu'il y ait un truc qui s'affiche. Ok, bah. Vous savez quoi, on va aller prendre l'ascenseur, hein, je vois que ça en fait. Je vois vraiment que ça. Puis je vois pas pourquoi ils nous auront donné l'accès à revenir en arrière sinon. Soyez un peu con. Après je pense que bon, de toute façon vous pouvez revenir comme vous voulez. Donc. Je pense qu'il faut qu'on. Je pense. Parce que là, je vois pas. Puis ça changera un peu. Ah non, même pas. Non, même pas.
Il n'y a rien ici carrément. Non, c'est vraiment par là. Hein. Non, non, on est obligé de revenir là. Donc c'est vraiment là-bas. Ouah, c'est un sacré labyrinthe. Hein. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je ne comprends pas. Et je suis bloqué. Je suis vraiment bloqué là pour le coup. C'est pas souvent que ça nous est arrivé ce truc là, mais on a toujours trouvé le chemin à chaque fois. Là c'est vrai qu'on bloque là. Là on est bloqué là, clairement. Donc là on est vraiment obligé, c'est vraiment le bon chemin. Là c'est forcément ici, il n'y a que là, de toute façon on peut pas partir. Donc au moins on est fixé déjà, on sait que c'est ici. Après maintenant, où c'est? Parce que là moi je voyais un truc genre là, c'est marqué quand même. C'était vers où? Vers là, c'était marqué vers le haut, l'inférieur, il y a une petite trappe et tout là. Après moi j'aurais été là, il y avait une petite trappe également aussi, mais apparemment on peut pas avoir accès ici. Je comprends pas. Voilà, ils sont bien gentils, mais. À un moment donné, les gars, faut faire ce qu'il. Attendez, faut. Parce que si je vais comme ça, ça fait quoi au final? C'est vrai que par là c'est bien gentil, mais il y a quoi en fait? Ah mais oui, attendez, non, si je continue tout droit, normalement j'ai accès au gris. Au final. Donc ça se trouve ça. Là, ça se trouve. Donc là, on est d'accord, on est ici. Voilà. Sauf que, du coup, ils ont dit qu'il faut rétablir le courant. Enfin, en tout cas, je peux rétablir. Il y a peut-être un routeur. Ah, j'ai pas fait gaffe, il n'y avait pas un routeur dans le coin. Ah, peut-être. Parce que ici, j'ai pas accès, ça c'est sûr, j'ai rien du tout. Ici, on n'a pas accès non plus. Ici, on a accès, ça va descendre. Voilà. Et peut-être qu'il y a un routeur, parce que nous, la porte là-bas, justement, c'est la porte là-bas au-dessus qu'on doit accéder pour partir. C'est ça qui fait qu'on doit aller là-bas. Ah, peut-être qu'il y a un routeur dans le coin. On va vérifier si c'est pas un routeur. Moi qui ai un routeur enfin, ou peut-être pas forcément routeur mais peut-être un terminal, quelque chose qui permet de valider en fait. Je sais, mais là c'est toujours pas ouvert. Parce que ici ça aurait été open bar, hein. On aurait passé par là, c'était bon. Bon, c'est fermé. Donc là c'est ouvert. Pourquoi c'est ouvert? Pourquoi il y a quelqu'un ici? Ça je comprends pas. Il y avait quelqu'un en tout cas. Il y a quelqu'un. Pas peur, voyons, je vous ferai rien, vous êtes voilà, vous êtes gentil. Donc ici pourquoi on a accès pour rien? Ah mais attendez, on venait de là nous. Bon, on vient de là, je sais plus. On vient de là. Oui, il y a un truc quand même ici de sauvegarde. Donc c'est qu'il y a forcément un chemin ici de moi. Un truc là-dedans que j'ai pas vu. C'est quoi cet endroit là? Oh putain, c'était là. Oh là là, j'ai trouvé le chemin, c'est bon. Bah, on a pas été ici, ça peut être que là, du coup j'ai pas été. Oui, ça a l'air d'être là. Ouais. Ok, donc là, apparemment. Pas venu ici en tout cas, il y avait un lambda. Et c'était fermé. Donc, on n'est pas venu ici. Donc ce n'est pas venu. À moins que c'est le truc du début. Oh, je pète un cap sur le truc du début, c'est bon. Non mais s'il vous plaît, me dis pas que c'est ça. Comment il peut y avoir un lambda ici, alors que c'est le truc du début? Pas possible, c'est pas le truc du début, ça c'est quoi cet endroit?
Non, il y a un truc là. À gauche. Non. Il n'y a rien à gauche. Ah, il y a un couloir de provisions là-bas. Peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on aille justement. Ah, il n'y a pas passé par là. Hein. Je suis quasi sûr qu'on n'est jamais venu ici. Toi, on n'a jamais croisé ce putain de truc. Il y a un truc là. Ben voilà, on a un chemin. Et là-bas, il y a quoi? Là-bas, notre porte. Il y a un truc là. Ok, ça me paraît être pas mal là, cette histoire. Ça me paraît être là. Ça me paraît être pas mal. On n'a jamais été ici, donc c'est bien. Putain, on a tourné en rond. C'est ouf en vrai, pour arriver à là. Bon, ça, on a réussi à passer. Mais... Donc, on n'a jamais été ici. Encore un qui s'est fait tuer par un. Oh, par beaucoup de choses, lui. Enfin, des balles, je crois. C'est que là, je sais pas où ça va. Ça va peut-être mener à l'endroit que je pense, en raccourci. Ça a l'air. Ça a l'air de mener là-bas, là. Est-ce qu'on a accès à quelque chose? Je me suis installé dans la galerie du centre commercial Ina environ 24 heures. Les gens ici, ils ont peur. Ils croient encore que le marshal Wade va tuer la créature. Ils oublient les autres dangers. Ils oublient qu'ils sont là, eux. Les gens se retournent tous les uns contre les autres pour la nourriture, pour l'eau. Je ne peux plus rester ici. Mmh. Du coup, par là, on a envie de ressortir par là, finalement. Ça mène ici, mais ça c'est le lambda qu'on a tué. Ah non, ça c'est un qui est mort. Ça va. Je savais qu'il était pas mort celui-là. J'avais pas été. Donc il y a une porte là. Ah, la trappe, là, c'est là qu'on doit aller. C'est bon, c'est là. C'est sûr que c'est là. Ramenez-vous maintenant. Faudrait
s'est passé à San Cristobal. C'était pas beau à voir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le plus vite possible. Mais je veux m'assurer que tu fasses rien d'irréfléchi. Je veux dire, on peut choper le spécimen vivant. Si on la joue finement, on pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des contacts, Waits. Tu peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Waits. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera? T'as mon numéro. Ransom, terminé. Il y en a ici. Ok, donc là on arrive. Oh putain, il reste plus qu'un. Rip, ils sont tous morts. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? J'en sais rien. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor? Oh, c'est le pote? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo? Oh, c'est Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels. Tu peux gérer cet endroit. Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. C'est notre pote qui est... Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Du coup, Ricardo elle... Ouais. Bien sûr, pas de problème. Allez. Reste okay. Ici. Verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Comment il a fait pour survivre? Je reviendrai te chercher. Du coup, on a réussi à passer. Putain, c'était compliqué. Putain, on a galéré sur le coup. C'est pas pour là. Attendez. La porte est fermée. C'est ouvert par là. Non. Mais sérieux, ça a passé à travers lui? Ben voilà, j'ai plus de balles. Super, bon, merci. Ok, ben je pense qu'on va s'en résoudre au taser. Hein. Oh, la bombe UEM, pire des cas. Mais d'abord le taser, parce que la bombe UEM, c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Ça me dit pas que c'est encore des trucs comme ça. Oh, c'est encore ça. Okay. Le massacre ici. J'ai eu du coup. Au 3. Le niveau de confinement de danger s'est intensifié depuis aujourd'hui.
que je peux le tuer quand même. Vous allez vous faire mal. Ah, ça le tue quand même, hein. Ok, ça, les vols de revolver, ça les tue, je sais pas. Dans la tête, du coup. Donc j'aurais pu les tuer depuis le début, ces connards. C'est quoi ça? De toute façon, autant les tuer. Le problème, c'est qu'après, on va se mettre dans le cul. On va avoir derrière nous, donc autant les tuer maintenant. Et les Taz, je les tue au fusil. Ça, un taser, c'est toujours bien à prendre. On va pas tarder à s'arrêter non plus. À 3h30, je pense qu'on va s'arrêter en vrai. On a déjà fait un bon gros live. En tout cas, le jeu est vraiment cool. Cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sixon Synthetics. Je sais pas si j'y arriverai. Ricardo, il faut que tu te concentres. T'es responsable maintenant. Responsable de quoi? Une salle pleine de cadavres? C'est la merde. Concentre-toi, Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Mais Samuel, c'est un androïde, mais pourquoi il est avec tout ça? Je comprends pas. Samuel, où es-tu, poteau? T'es pas là. Gare de transit. C'est bugué? Je crois bien. Ah non, c'est pas bugué ça. C'est de côté. Ou l'ascenseur. Ouais, j'avais compris. C'est par là quoi. D'abord on l'étase. Et après, on tue. Plasma. Du coup, on vient à un truc de plasma. Écoute, il y a des trucs là-dedans ou pas alors, s'il y a besoin de plasma. En vrai, au chalumeau, je pense que c'est pareil. Hein. Pourquoi on a tué le chalumeau? C'est un endroit que je pense qu'on devrait y aller plus tard. Moi, j'ai déjà ouvert, c'est déjà ça. Sur l'alien, on court plus vite. On peut courir. Je pense pas qu'il revienne là. Je vois pas quand il peut revenir. Hein. Il dans l'espace. Ah, mais je crois que de toute façon, il résiste dans l'espace. Mais bon, il sera enfermé quand même dans le truc. Il créera peut-être de faim. Du coup. Je suis beau. Replay, il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Les ascenseurs sont HS. Comment je monte? Va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le coin qui mène à la cage d'ascenseur. Il faut me passer. Non, elle nous met un journal dans la bouche. C'est par là. C'est ça. Bon, allez.
Ok. D'accord. Ouais, mais encore. Allez, on grimpe. Ok. On est bien. Ouf, ça va. J'ai peur. Ah, là, il y a pas de truc, là. Putain, plutôt l'autre, regardez. Hein. Qu'est-ce que. C'est ce bordel. Ah, ok. J'aime pas arriver que la porte elle s'ouvre déjà. Non, mais si. Ouais, dans les gros conduits, est-ce qu'il y avait l'alien en fait hein. Oh, il y a un truc au bout. C'est quoi l'éthanol ça? On l'utilise même plus, c'est depuis qu'il n'y a plus l'alien. Je pensais même plus que j'avais ça. Par contre, c'est vrai que en même temps, il sonne plus. Ah, des androïdes qui sont fait couper en deux. Ouais. Bon, de toute façon, c'est par là, c'est obligé. Androïde vivant. C'est sûr, il est vivant, sûr. Je passe ma trappe. Et ouais. Je vous le disais bien. Avec sa tête en plastique là. Là il est éteint par contre. Sinon quand les yeux allumés c'est qui encore vivant. Par contre, je peux même pas récupérer la. Ricardo, j'y suis. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir. Ah ouais, ils sont pire que morts là, ils sont fait décapiter les trucs. Ouais. Il y a beaucoup des morts. En même temps, sur une grosse plateforme comme ça, il doit y en avoir des milliers de synthétiques. Pas des milliers, mais des centaines. Putain, lui, pue lui. Lui, il va s'activer, je sens. Plus tard. C'est le pote, lui, je le sens. De toute façon, sur le. Bizarre, on peut fouiller leur cadavre. Il y a un générateur. C'est quoi? Un entassement? Là. Ça fait quoi ça? Ils disent même pas ce qu'il faut faire en fait. Pour moi j'avance. Oh, mais il y avait une sauvegarde en fait là. La vérité. Ah oui. On va sauvegarder un coup. Oh, pas vraiment besoin. Bon, tout est bon ici apparemment. Ah, encore des cachettes. Ouh, ça, ça pue ça. Si on peut. Ah, peut-être les androïdes du coup qui vont peut-être se réveiller. Ah, au moins on est tranquille pour le signal. V. Ce truc. Quinté là. Quoi ici?
Pourquoi je suis venu ici, moi? Un cul-de-sac. Bravo. Et vous ne donnez même pas d'indication. Administration, Samuel s'est rendu au labo Android pour consulter pour le trouver le et apporter lui de l'aide. D'accord, donc ça veut dire qu'il est quelque part. C'est pas là, apparemment. Bizarre. Comment j'accède à là? Ah, y'a un truc là. Ça pue, je sens. Je vais sauvegarder, je sens que quand je vais réanimer le truc là. Il y avait un passage là en fait. Ah oui. Il y avait un autre truc ici. Ok. Donc pour moi. Je sens qu'ils vont tous se réanimer, pourquoi? Je vois bien ça comme. Comme un relique qu'on le voit. N'importe quoi. Ouais, je crois que ça pue un peu cette histoire. Je sens que les mecs vont se réveiller. J'ai combien de balles de pompe? J'en ai plus. Bon, après j'ai des balles de fusil. Il faut 4 balles de pistolet pour en tuer. Pour en tuer un, donc. On va se mettre full en balles de fusil parce qu'en vrai. Ah, il y en a déjà deux, hein. On voit déjà deux comme ça ici. Quand je lui ai demandé ce qu'il foutait, deux. Il s'est jeté sur moi. Plus ceux qui sont sur les lits comme ça, là, ils puent ceux-là. Envoyez vos meilleurs techniciens au noyau d'Apollo et découvrez s'il va pas à la fin. Sur le champ. Ouais, t'as dû faire ce que je veux un rapport complet au plus vite. Ah. Cette porte-là est pétée. Je peux pas m'approcher. Il reste un. Je sais plus ce qu'est le truc. C'était où déjà? Merde. Je l'ai vu où le truc? On l'a fait celui-là. Je les ai vus tous tout à l'heure. J'ai fait celui-là. La porte est pétée, à moins que... Attendez, voir... Peut-être par curiosité... Donc c'est affiché ici. Non, pas du tout. Donc alors c'était le... Non, le troisième était au bout du coup. Non, c'était celui que j'avais vu en fait. Donc ça voudrait dire que... il faut que j'aille sur le... Il y en avait un ici. On peut l'éteindre. Niveau de confinement pathologique. Je suis sûr qu'on peut les brûler aussi. Ils sont tous rouges. Il y a un truc qui s'est ouvert la porte. Oh non. Faut que je les éteigne. Pourquoi je les éteins? J'ai pas tout compris, mais ouais. Les chacals. L'accès à Apollo. Je demande l'ouverture immédiate de la tour de France. L'accès au transit Apollo est strictement réservé aux cadres et aux synthétiques de Sixon. Bien, dans ce cas, je vais trouver un moyen de parler à Apollo. Niveau de confinement pathogène Omega. Toutes les permissions sont annulées. Je n'ai pas le temps pour ça. Ah, mais c'est notre pote, ça. Ah mais c'est lui Samuel. Ah du coup il a fui notre... Ah c'est lui notre pote Samuel en fait. Ah c'est un synthétique alors, notre pote. Je savais pas que c'était un synthétique notre pote.
Le Samuel, là. Parce que vous dites que c'était un Samuel, c'était un synthétique. Ah, donc c'est lui, Samuel, le synthétique. C'est pour ça qu'il lui a foutu des droites de l'espace. Je l'ai trouvé. Oh là là. Oh putain, il y en a beaucoup. Une pauvre femme est morte ici. Fais-moi tes tasers, c'est toujours utile pour moi. Vu comment ça se présente devant, je sens qu'ils vont venir. Donc, je vais te préparer un petit piège. Est-ce que ça pue? Eh ben, vu que j'ai 2000, même si ça va, on va dire pour le coup pas grand-chose. Parce que je suis sûr qu'ils vont se libérer, je sais pas pourquoi je le sens. C'est toujours comme ça dans ce genre de jeu, donc... Potentiellement, on peut lâcher une petite bombe ici. Est-ce que je peux la récupérer après? Oui, je peux la récupérer. Au pire des cas, je la récupérerai. Si besoin. Mais vu que c'est des petits saligots... Ah. Voilà, excusez-moi. Alors, hop, du coup, hop. Donc, les synthétiques, je les sens pas. Je ne les sens pas. Ouais. Il nous invite à aller là, quand même, hein. C'est ça qu'ils ont dit. Ouais, donc c'est bien ici. On trouve une issue ici. On va peut-être se réveiller un par un. Hein. C'est ce que je pense. Ça pue. C'est quoi? C'est Camelot? Ouais, c'est Camelot. Je crois que c'était au début, je crois que c'était autre chose, mais... Peut-être que là, j'ai peut-être du coup que c'est un truc. Pas du tout, pas du tout. Je vais laisser l'UM par terre, on sait jamais. Qui vient de par là, c'est l'idée. Parce que là, c'est pas possible, là, je reviens dans le. Dans le bins, là. On voit que c'est par là. Je le dis bien, trouver Samuel, trouver une issue pour sortir de la salle d'exposition des synthétiques. Celui-ci, c'est ça, c'est ça. Non, c'est de l'autre côté, non, 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 c'est bien par là. Donc il y a sûrement un truc à choper quelque part. C'est bizarre. Espérons qu'on va trouver, hein, qu'on mette pas 30 000 ans non plus.
Oh, je peux pas bouger. Bon, c'est ici, en tout cas, c'est ici. Il y a le point qui dit ici. Donc, on va fouiller chacun des trucs. J'ai dit Charles. Il n'y a rien ici. Ici, la porte est toujours fermée. On est d'accord. Peut-être qu'il va nous attraper le bras. On regarde un truc, peut-être. C'est ma mine. Bizarrement, il n'y a rien. Et derrière. Le terminal sert à quelque chose, je suppose. C'est obligé, il sert à quelque chose. Il n'est pas là pour rien. Il doit déverrouiller la porte, je pense. C'est bizarre. Ah, ben voilà. Peut-être que j'ai accès à un autre truc maintenant. Je sais pas ce que ça a fait, mais ça a fait un verrou. Donc non, c'est pas ici. En tout cas, ça a dévoré un truc. Donc peut-être sur les panneaux, il y a des machins. Mais c'est évident, ils vont se réveiller, c'est évident. Ça paraît évident. Je suis quasi sûr qu'ils vont se réveiller, c'est con. Du coup, je sais pas ce que ça a fait. C'est ouvert. Vous n'avez pas pris rendez-vous. Ah ouais. Toi t'as pris rendez-vous, tu crois? Tu croyais quoi toi, furieux? Ouais, la tête a sauté. Bon, lui, c'est bon. Pourquoi je suis en canal qui va se réveiller? Ils sont tous allumés, regardez hein. Ils sont tous allumés. Ils n'étaient pas allumés tout à l'heure. Vous n'avez pas pris rendez-vous. Salut. Voilà. La bombe IEM qui a très bien marché. Et c'est le temps de casser la porte. Bon, on va pas traîner non plus ici. Hein. On va réussir à la péter, c'est sûr. Jette, mais ils ont cru que ça a fait du vidage. Vous avez cassé ça comme ça. Comme ça, ils vont cramer. Que je l'aurais mis quand même. Yarr. Le pompe, on a enfin des balles. Oh putain, mis son revolver. C'est la fête ici. Un IEM, un cocktail. Mais oui, tout bon.
C'est parfait, on a des IEM, on a tout ce qu'il faut ici. Le ticket, mais regardez. IEM, mais ouais, c'est trop bien. On a un truc de fou ici. What the fuck. On a du cocktail, on a tout là. On a de l'IEM. On a encore du cocktail. Je vais faire quoi du coup? Ok. Ok, rien d'intéressant. Par la sauvegarde ici. Je crois qu'il n'y a rien. Oh, ils ont réussi à passer. À loper des balles. Ils avaient peut-être une carte d'accès. Ah bah c'était fait spa alors Kevin. Putain. Elle en recherche. Ah, il avait une carte d'accès, c'est sûr. Ils ont juste tapé la porte quand même. C'est tout un foiré de mes couilles. Du coup, j'ai acheté un IEM parce que j'ai vu qu'il y avait un IEM ici. Je vais payer tes études d'ailleurs. Très intéressant. Bon, des petites dévales de pompe un peu dans le vide, mais bon. Ça a fonctionné au moins. Du coup, normalement, on a la carte d'accès, je pense. Regarde ici. Donc. Ok, si c'est fermé déjà. Synthétique d'eau et l'ennui d'Annie enregistré. Tentative d'accès non autorisée. Quittez. C'est une attitude de merde. On peut la faire les autres après. Ça veut dire quoi ça? Je crois qu'on avait passé par l'ascenseur. Ouais. Si vous jugez notre service de transit défectueux, veuillez remplir un formulaire à votre disposition. Ascenseur en descente vers la salle d'orientation des androïdes. Donc Samuel, c'est bien un synthétique. Hein. Attends, on aurait dû vraiment un humain. C'est ça que tu dis des patates comme ça avec des défenseurs. Personne devant.
marche pas. Super. T'as dit quoi? Rien. Juste une heure de plus sur cette station. Ok, ça va avancer. Je pense que j'aurais pu aller de l'autre côté. Non, je pense pas, il y a des barreaux. Tant d'accent. J'ai vu qu'il y a une porte en dessous, mais... ici. C'est bien ça. Donc là on a accès à un levier. Là-bas on a accès à rien du tout. C'est un truc par terre. Ok. Il y a des androïdes et une caméra donc ils vont sûrement venir si je m'approche. Pas les ballons, pas les ballons. Putain, bâtard. Tout ça par contre je peux récupérer des trucs sur eux. Tu vas faire quoi toi caméra? Mon cadavre qui bloque le truc. On va monter les caméras. Parce que... Non, on se cache même plus. Depuis qu'il n'y a plus l'allée, on ne se cache plus. Je te tout le monde au corps à corps maintenant. Par contre, là, faut gaffe que... ici. Okay. Ok. Vivant cela. Bouge.
Il est en montage là-bas. Ou alors diriger vers la porte. On va essayer d'y aller tranquille parce que j'ai plus de balles. Hein. J'ai plus que les balles de revolver et encore, faut que je les préserve parce que bon, si jamais c'est des humains et tout, j'ai plus de balles de con, j'ai plus rien donc. C'est Samuel, ça. Ripley, je suis heureux de vous voir en vie. Le périmètre de sécurité d'Apollo a été conçu pour que seuls les synthétiques de Sixon puissent interagir avec lui. Écoutez-moi, je vais devoir prendre des mesures plutôt radicales si je souhaite me connecter à Apollo. Samuel. C'est-à-dire plus radical. Vous allez faire quoi? Je vais utiliser la chambre de reformatage. C'est la seule option. J'ai dû dévier une partie de l'énergie de la zone pour pouvoir tenter ma chance. Il va faire quoi? Il va se transformer en ennemi du coup. C'est ça? Samuels, c'est trop dangereux. Oui, c'est bien trop dangereux. Souhaitez-moi bonne chance. Samuels, non! Avertissement. Initialisation de la connexion à Apollo. Apollo, l'infection a été purgée. La créature n'est plus à bord. La station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Alerte, connexion non autorisée. Ripley, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Samuels ? Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non ! Amanda, vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie. Samuels, je vais essayer. Attendez ! Vous devez le faire dans le bon ordre. Sinon la chute risque d'être mortelle pour moi. J'essaie d'accéder au schéma de Simpson. Débranchez le câble rouge en premier. Ok, rouge en premier. Personnel humain. Rouge. J'ai de la chance. Le dernier maintenant, s'il plaît. Parce qu'en vérité, je savais pas que c'était celui-là l'autre. Hein. J'ai fait ça au pif. J'ai de la chance. Il aurait pu être l'androïde d'avant. Hein. Ou celui-là. Ah, monsieur. Il est pas un peu mort. Hein. Il est mort. C'était un synthétique du coup. Je ne savais pas que c'était un synthétique au début, mais je n'avais pas dit que c'était un synthétique. Du coup, il est mort pour nous. Oh putain, le pongar. Ripley,
Ricardo. Si t'es là, réponds. Je suis là, pardon. Samuel, c'est mort. Merde. Il a ouvert le transit d'Apollo pour moi. Je vais y aller directement. Je vais faire en sorte qu'Apollo lève le verrou. Partout là, je vais faire un peu de liquidation parce que là je suis full partout. IEM c'est plutôt intéressant contre eux. Je peux pas raquer. J'en ai trop sur moi. Bon tuyau c'est trop bien ça par contre. Oh, j'en ai plus. Ok. Bon, ça va aller. J'avais des endroits dans les fumes, mais. Soit elle est vivant, soit elle est mort. La tête en moins. Oui, t'inquiète, poteau. Les deux là sont vivants, c'est sûr. Eux sont tous morts. Où est-ce qu'ils sont, les sous-sous? Y a-t-il quelqu'un ici? Que faites-vous ici? Saloperie. Taser. Ils sont là tous les cadavres. C'est la seule solution. Putain, par contre, j'ai plus de balles. Hein, que... J'ai plus de taser non plus. on faut la jouer avec les IEM en fait. Et pas leur tirer dessus. Pire des cas. On va sauvegarder un coup. Ça c'est bon, c'est par là. Je joue ici moi. Je sais même pas ce que je prends là. C'est... Ah, on va pas se couper. Par là, si. Ah, si. Ah, faut peut-être que je revienne là, peut-être. Donc, je vois ce quoi. Ah, le transit mais là en dessous. Publie mon rapport dans le processeur d'Android. On a un problème. On a des victimes androïdes et humaines sur la station. On vient de me signaler qu'un androïde a été amené à l'APTC avec une lésion à la tête. Je viens de trouver un truc. Un enregistrement. Du sang humain. J'ai alerté les marshals et placé ma secrétaire en lieu sûr. Je me dirige en ce moment même vers le transit. Je vais demander à un lambda de consulter Apollo. Moi, c'est le chef de secteur chez Wild. Oh, la grosse artillerie. Elle est passée où, la gamine, avec des problèmes d'identité? Laisse Ridley en dehors de ça. Elle cherche juste des réponses. Moi, je veux plutôt préserver les intérêts de Wild.
Et moi, je voudrais bien sortir de cette foutue cellule. Peut-être qu'on peut s'arranger. Peut-être. Je sais pas si t'as remarqué, mais notre conversation est enregistrée. J'ai vu. Il y a la petite lumière rouge. Il nous faut des données. Les coordonnées du clitoïde, vous avez trouvé les pales. Toutes les données que vous possédez sur les origines de cette enquête. Je peux te donner tout ça. Et aussi un moyen de sortir de la station. Il faut juste que tu me fasses sortir. Ta proposition me paraît acceptable. C'est quoi ce bordel? Taylor, fais-moi sortir de là, tout de suite! Fais-moi sortir! J'ai entendu. Oui, j'ai entendu, et du coup... Pas trop ça m'énerve, cette histoire-là. Une sauvegarde des familles. Alors, putain, c'est où? Vers une nuit privée, vers une nuit d'Apollo. C'est en bas, ça, non? Parce que c'est vrai qu'en bas, il y a un truc, il y a une porte, hein. On va aller voir ce que c'est. Côté 6 mois. C'est pas là justement. Vers le transit, je sais pas quoi, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah non, c'était là où j'avais été tout à l'heure. Ça. C'est pas ici. On va obligé de descendre. Quoi. Je crois que c'est juste en dessous là. Parce que j'ai pas été encore là, je crois. Peut-être. Il y a une sauvegarde en plus. J'ai pas été, il me semble, ici. Hein. Ça me dit rien. Non, je vais pas être ici. Hop, l'ascenseur, non, je vais pas être ici du coup. Ça pourrait être bon, je pense. Je peux pas aller ici donc. On va voir. Hein. Ouais, c'est bon, ça va d'être là. On avait déjà été ici. Donc c'est bien ici. Enfin, je crois. C'était en haut. Ça
Ça va bien que ce soit ici, hein. Putain. Ça, c'est un peu compliqué. Hein. Ça part d'être là en fait. Hein. On a l'air d'être là. À moins que ça soit là, mais on fait gaffe. Ici. Smike, vous êtes-vous familiarisé avec ce que vous allez dire aux VIP en visite aujourd'hui? Putain, mais il faut qu'on fasse bonne impression. J'ai entendu dire que ce sont les derniers enchérisseurs. La production d'Android est d'une importance capitale à leurs yeux. Il faut absolument qu'on leur montre à quel point cet endroit est adapté à la technologie synthétique avancée. Un peu de baratin fera pas de mal, mais n'allez pas trop loin non plus. Foutez pas tout en l'air. Spelling, terminé. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'en ai un petit peu marre. Je trouve pas la sortie là, ça me saoule. Ça me saoule un petit peu là. Ah tiens. Pourquoi tu fais ça ici? C'est quoi ça? Bon, administrateur obtenu. Je sais pas. On va juste vérifier. Ah oui, c'est vrai, c'est parti. Il nous fait crever. Mais c'est étonnant parce que c'est bien ici parce que. Enfin. C'est ici ou en haut du coup. Oui, c'était là au tout début où on avait été voir les mecs et tout là, je me rappelle. Où on était passé et la ligne est passée par le milieu et tout ça là. Je me rappelle d'ici. Mais bon, c'était pas ici, pourquoi me... Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que j'ai transit pour privé pour... Oui, on est Apollo. C'est quand même bizarre. À moins que ce soit là l'ascenseur. Mais bon, c'est bizarre quand même. Je vais monter à l'échelle voir, je reteste, sinon c'est que c'est pas là, c'est tout. Et on va retourner en haut. Hein. Seulement ça serait là. Tout ce que on dit le truc. Ici. Y'a rien ici. Bien ce qu'ils considèrent le même truc pour l'autre étage aussi. Je pense qu'on va remonter à l'étage et puis c'est tout. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'il se passe. C'est tout, on remonte à l'étage. C'est tout. Si vous goûtez un truc, c'est tout.
Ouais, bon, on va sauvegarder, puis on arrête là. Je pense à l'étage là. Hein. Mais c'est étonnant quand même. Je vais juste vérifier quand même. C'est ici, hein. C'est forcément ici. Mais alors, où par contre? Ah, peut-être qu'il y a un truc sur le côté. Accès à la porte. Oh, tiens. La porte. Une question, quelle porte? De, à moins qu'il y avait vraiment une porte à accéder au-dessus. Non, je n'ai pas eu du porte verrouillé moi. Allez, montons. C'est sûrement ici. Non, c'est pas là. Peut-être ici, hein, parce que le noyau, pourquoi pas, c'est pas dans un coin. Hein. Je vérifie juste quand même. Histoire de voir cette fois. Là on retourne tout le temps ici donc à un moment donné. Enfin, je sais pas, à un moment donné. Attendez. Oh putain, mais c'est peut-être là en fait. Avec cette con là. Non, c'est possible. Comment il accède à ça déjà? Il y a un truc au bout là-bas. Je suis trop curieux quand même. Hein. C'est quoi ça d'ailleurs, j'ai aucune idée. Oh non. C'est forcément... Alors l'entrepôt synthétique. Oh non, c'est pas ça. Une échelle, mais je sais plus comment on remonte au niveau des autres là. Je crois que c'est au niveau de la trappe. Hein. Je sais plus, on verra ça plus tard. Bon allez, on va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.